Non, 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 mais viens t'asseoir, s'il te plaît. Attends, regarde, c'est le plus beau plateau du monde. Non, mais les interviews, merci. Ah ouais, ils sont en train de dépecer un fruit à pain. Il paraît que c'est parce que c'est rempli de vitamines. Ils ne se nourrissent que ce qui est riche en vitamines. Des épinards. On cherche Joël toujours, hein. Attends, en plus hier, il te dépasse, Non mais t'es sûr de ça? Oui, on le sait. Et tout ça va arriver plus fort que ça. C'est de la gnognotte à côté. Oh lolololol. Ils emmènent tout, tout. Mais il n'y a pas d'hiver, c'est ça qui est marrant. Ils sont tout le temps à bouffer, ces bestioles. À faire des réserves. Tu vois, ils les emmènent quelque part, mais je suis jamais. Non, je ne préfère pas. Elle nous a pas rappelé. Hein. Donc, je pense pas. Moi, je la connais hier soir. Je connais monsieur Quelques réceptions as-tu du commissariat d'exposition? Déjà, je dois saluer Jean-Marc, parce qu'il est courageux. Courageux parce que dans ce pays-là, c'est pas évident. Et donc, on n'a pas l'habitude de fonctionner souvent de cette façon, c'est-à-dire avec commissaire d'exposition. C'était pas évident du tout de réunir en un même lieu tous ces grands hommes-là. Voilà. Donc, en fait, c'est pour toi, ce qui est remarquable dans cette manifestation, c'est que c'est une véritable initiative de structuration d'exposition en Guadeloupe. Absolument, parce que je dois dire qu'ici, tout est à faire. Il n'y a pas une grande tradition d'exposition. Quand je remarque, par exemple, mes aînés, par exemple, c'est Rovelas. Rovelas, il est encore vivant, donc ça fait pas longtemps que les gens viennent dans les expositions. Nous avions une initiative à un certain moment qui s'appelle Indigo. Et nous avons, pendant 5 années, essayé de mettre en place une exposition internationale avec l'Amérique latine, c'était le but, l'Amérique latine et la Caraïbe. Et malheureusement, justement, à cause de conflits de personnes, on a perdu cette manifestation qui était déjà une très grande manifestation. On a reçu vraiment tout ce qui se faisait de bien dans l'Amérique latine et la Caraïbe. Voilà. Et tu attribues les échecs de cette première manifestation à quoi? C'est les rapports souvent ici en Guadeloupe, je parle de la Guadeloupe que je connais, sont souvent complexes. Parce que ici, n'ayant pas de pouvoir réel en tant que peuple, à partir du moment qu'il y a un petit strapontin, tout le monde veut s'asseoir. Donc c'était une question de chef, de petit chef. Et donc ça a foiré, comme beaucoup d'initiatives d'ailleurs. Mais j'ai bon espoir, je ne suis pas pessimiste, hein. Je ne suis pas du tout pessimiste. Parce qu'il y a cette génération-là avec Jean-Marc et tout ça, je les soutiens vraiment. Et... Qu'est-ce qui distingue justement l'action de Jean-Marc par rapport à l'expérience Indigo? Alors l'action de Jean-Marc, c'est que effectivement Jean-Marc a pondu Arbemao. C'est lui l'initiateur. Alors qu'au début, c'était une association de personnes avec des intérêts divergents. Voilà. Et en même temps, peintre est parti et jugé parti. Donc voilà, c'était ça. Et donc, tu penses que le fait qu'il y ait un homme avec Vanessa, sa compagne, qui est fédéré, enfin, qui est fédéré ce projet, ça lui a permis d'être plus conséquent, plus concret. Oui, plus concret, plus conséquent. Et puis aussi, avec l'aide aussi, parce qu'il faut aussi le financement. Quand on a une municipalité comme Bemao, moi qui ai l'habitude de taper sur les municipalités, mais là je dis vraiment bravo parce que investir comme ça dans une manifestation qui n'apporte pas forcément des voix à la municipalité parce que c'est vraiment une construction. Hein, donc je trouve ça vraiment très très bien. Là je pense que c'est fondé maintenant. Que c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans le temps. Qui doit s'inscrire dans le temps. Il doit s'inscrire dans le temps. Je soutiendrai autant que faire se peut pour que ça arrive. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait avoir le point de vue de Jean-Charles sur cette question du commissaire d'exposition? Je n'ai pas l'habitude de parler devant un œil, en fait, électronique. Ça m'a perturbé énormément.
si un commissaire ou une critique choisit tel ou tel artiste, il y a parfois des espèces de concomitances. Tu vois, si cette collaboration elle est fructueuse, elle fait date. Elle fait date, elle fait référence pour d'autres manifestants, pour des artistes, pour des étudiants, pour des chercheurs et même pour le grand public. Justement, alors, quel rôle à ce moment-là jouent les artistes dans le commissariat d'exposition ? C'est-à-dire qu'il y a deux types d'artistes. Comment tu le vois ? C'est selon la nature, selon la classification récente des artistes. Soit les artistes producteurs, soit des artistes prospecteurs. Ici, nous avons les deux familles, les producteurs, moi, et donc Galvanize sont des prospecteurs. Mais je pense que le spectre est plus élargi, mais je donne ces deux extraits. Et évidemment, les critiques ont ces derniers temps une préférence pour la seconde famille, puisque c'est leur permet en fait, soit avec leur collaboration, ou en tout cas avec quelques affinités, de développer un discours. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Mais moi, en ce qui me concerne, peu importe en fait. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que la collaboration elle soit riche. Alors bon, comme moi je fais partie de cette famille de producteurs, je n'aime pas quand c'est trop évanescent, quand c'est trop discursif. Mais ce genre de quête quoi, par le discours, par les échanges, peut en fait donner des pistes. Donc un commissariat d'exposition doit favoriser cet échange-là ? Oui, c'est l'échange entre les artistes et entre les artistes et les commissaires. Ouais, oui. Tout ce qui naît de la rencontre en fait. Tout ce qui naît de la rencontre. Arbemao a tenu son pari de proposer une exposition internationale d'art contemporain de qualité, ici même dans la friche de Bemao, avec un commissariat de 18 artistes et plus de 90 œuvres réunies autour du thème déséquilibre. 10 jours d'exposition où des échanges, des rencontres, des visites ont permis de renforcer nos rapports à l'art. Cette deuxième édition nous a permis à nous, organisateurs, l'atelier Silaos et la ville de Bemao, de reconsidérer les arts visuels comme un enjeu culturel, social, politique et économique, et d'engager un dialogue permanent avec la Caraïbe, l'Afrique et le reste du monde. Un petit mot du maire. Bonsoir tout le monde. For friend English. I am very happy to see you and I hope to meet you next year. Wow. Et bien, j'en profite aussi pour remercier. Hein? C'est vrai qu'il y a un manque en matière de culture dans ce département. Donc, si les autres ne peuvent pas nous accompagner, nous essaierons avec nos propres moyens, petit à petit, mais à tout mettre en œuvre de manière à ce que nous puissions développer la culture à Bemao comme c'est parti aujourd'hui. Merci encore à vous et je vous souhaite bonne chance. Il nous reste à apprécier dès à présent une performance proposée par le collectif Galvanize à l'intérieur du chapiteau. These photographs, the editing, the making of mistakes and all. Toute l'œuvre en fait est totale et vous la voyez devant vous et avec vous. Donc il y a toute la partie film, il y a toute la partie photo, impression, tout ce qui est écrit, tout ce que vous pouvez voir fait partie de cette œuvre, y compris les erreurs, les flottements et tout ce qui a pu se produire. Bonsoir. Nous espérons donc à notre
départ, vous laissez avec quelque chose, vous laissez avec un souvenir, à savoir que nous, groupe Galvanize, on aura implanté une semence. À savoir que Galvanize a été ici. En tout cas, si vous connaissez le sens du mot Galvanize, en anglais, ça veut dire passer à l'action. Action, action, action. Tous les jeunes qui sont ici, tous les enfants, vous allez vous souvenir de cette expérience toute votre vie. Et je vous promets qu'au moins un d'entre eux va vraiment devenir un artiste guadeloupéen contemporain majeur. Vous accueillez cette prophétie. Oui, nous avons tout ça même. Vanessa. On se rapproche puisque. On se rapproche. Oui. D'accord. Voilà, Samuel. D'abord, film souvenir autour de notre thème du déséquilibre. Et on essaye de se faire un petit peu une idée du ressenti de chacun. Sur les critiques d'art, à quoi ils servent. S'ils sont là, c'est qu'ils ont une fonction et ils servent à quelque chose. Quoi. À mon avis, il n'y a rien d'inutile dans la nature. Quoi. Et donc c'est qu'il sert à quelque chose. Et jusqu'à présent, pour moi, c'est un problème. Il y en a qui ont déjà écrit sur moi, mais je n'en ai trouvé aucun qui me comprenne, tout simplement. Quoi. Et donc, à mon avis, si tu ne me comprends pas, tu ne peux pas écrire sur moi. En tant que personne ou dans ta démarche artistique ça, la compréhension. Pour moi, les deux sont intimement liés. D'accord. Et c'est peut-être ça. En fait, j'ai souvent l'impression qu'on veut me faire rentrer dans un moule, dans un peu comme on disait l'autre fois, dans une grille, quoi. Or, il est probable que je ne m'inscrive pas dans cette grille, ou en tout cas pas dans celle-là. Comme je suis quelqu'un, en fait, de relativement réservé, qui ne va pas nécessairement au-devant, ou alors qui n'est pas à la recherche, en fait, d'un contact avec les critiques ou avec tout ce que ça sous-entend derrière, quoi. Ouais, ça crée une distance naturelle, on va dire. Quoi. Et lorsqu'on se rend compte, donc, s'il n'y a pas un petit truc qui se passe, bon, moi, je ne vais pas te déballer ma vie, quoi, tout simplement, quoi. Il faut qu'il y ait un sentiment, une sensation, quoi, une relation, quoi, qui se...
quelque chose qui se met en place. Voilà. Je suis très content d'entendre ça, parce que lorsque nous ne travaillons pas en pensant aux critiques. Non, pas du tout. Et pas je pense que le matériau, c'est nous qui fournissons le matériau. Et souvent, comme tu as dit, on veut nous mettre dans des chemins tracés. Il faut que tu sois dans des cadres. Mais ça, je comprends, parce que ce sont des hommes qui ont des aussi leur façon de voir. En Guadeloupe, il serait bien que des Guadeloupéens, en fait, que des gens de la place, se mettent vraiment à travailler comme critique d'art, c'est-à-dire aller dans des ateliers de peintre, parler avec les peintres, échanger, parce qu'on a un fumier commun, quoi. Donc, c'est un peu ça. En fait, c'est ça. Et je pense que, voilà, tu as parfaitement raison. Lorsque, justement, il y a eu des critiques sur ton travail, oui. Qu'est-ce qui t'a paru inexact dans l'approche du critique? C'est la démarche. La démarche. C'est-à-dire, autrement dit, on porte un regard sur un bout de métal ou sur une œuvre, alors qu'en fait, ce n'est rien, ça. C'est ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'un critique ne peut pas décoder le langage de tes œuvres sans te connaître, toi? Il y a une possibilité. C'est la qualité de ce que je vais produire. C'est fondamental. Autrement dit, la qualité, on va dire, énergétique. Parce que c'est une toile, mais ce n'est pas comme... C'est d'abord un bout de... C'est de la matière. Et au-delà de cette matière, il y a quelque chose, quoi. Il y a une émotion, il y a une vie, il y a quelque chose, quoi. Le travail du critique, quand même, c'est de créer le pont, quoi. Parce que moi, en tant qu'artiste, je suis un artiste, mais je ne suis pas quelqu'un qui parle. Tu vois, je peux être muet, donc je ne pourrais pas m'exprimer, expliquer mon œuvre. D'accord ? Je ne pourrais que le poser là, le montrer. Donc c'est deux solutions qui me restent. Soit je suis hyper puissant, je le pose, tac, et tout de suite ça diffuse. Et les gens reçoivent tout de suite et comprennent. Soit il y a quelqu'un qui vient et qui est capable de s'exprimer, de décortiquer pour dire « Waouh, eh ben c'est ça qui est en relation avec telle chose, et voilà. » C'est ce que j'attends d'un critique. Mais ce que je veux ajouter, c'est qu'aussi un critique souvent compare. Il y a toujours des éléments de comparaison, il y a école, il y a ça, il y a ça. Alors que souvent, nous créons. Donc souvent, il n'y a pas d'éléments de comparaison. Parce que nous, on s'inscrit où, nous? Est-ce qu'on s'inscrit dans le champ européen? Est-ce que nous sommes dans une partie de la Caraïbe? Est-ce que nous sommes l'Amérique? Qu'est-ce que nous sommes? Nous cherchons à affirmer ce que nous sommes. Donc nous apportons au monde un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que je dis que les critiques devraient faire vraiment un travail critique, c'est-à-dire comprendre déjà la nécessité, le questionnement, notre questionnement, et puis discuter de cela. Et notre difficulté aussi, quand je dis que je vais plus loin, c'est la lisibilité de nos œuvres, notre lisibilité. On ne s'inscrit dans aucune, pratiquement, école, aucun courant. Aucun courant. Donc, nous sommes bornés à exposer chez nous, à essayer de trouver des expositions, nous, dans des galeries, parce que nous ne correspondons pas forcément aux normes qu'on nous demande pour être dans un certain circuit. C'est ça le truc, c'est ça la difficulté. In our land, our story, we have to tell to the universe. We have to propose. You understand what I mean? So, in the Caribbean, we have this work to do, is to talk about us. Don't let people talk about us. You understand what I mean? Question of the critic, I think, the Caribbean, especially some of the younger places. The question of the critic in some of the younger countries, I don't think that we can expect the same relationship between the artist and critic as you would expect in the metropole. It's because it's new, the interest. Well, no, I'm not. No? I'm saying I'm saying it's new in the critic and artist referring to the critic as a critic. When that becomes institutionalized, I believe there the problems exist. It's in that gap, I think, the problems arise. And how would you suggest to solve that? By doing more of what we are doing, by engaging the critics more, by speaking to them more, by speaking very clearly about where we stand as artists,
Does that mean that you should maybe take the initiative to talk with them yourself? Yes, we think so, and I think that, I mean, our Galvanized Collective, we do that a lot, you know, we, yeah. Well, I don't know whether we artists need to take that on as a big problem. I really don't think that's a problem. And what would you say, Tamara and Mario, about internet? It's a big question. It's a big question, yes, I know. I try really hard to focus on my own location. And our location is very small, which is Trinidad. And there are many artists who seem to be more aware about art and less about criticism. So we are more or less forced to operate from outside to get back in a kind of a real interesting way. So when we make work, we always make work with a view that it will come back in. It will go out and come back in. And to make that happen, we need to have dialogue with curators and critics. And it's also, there seems to be a view that the critics are dying. The curators are the ones who are becoming more and more important figures. So I was surprised that there was a critic here. What about you, Tamara? Yes. Well, this is the first time I interacted like this with a critic or anything. And, you know, it's good. It's good to have the critic come in. And in Trinidad, I think that we need that as artists. All the artists, we need critics and criticism. And we need people to write about the work that is being done. So you need that third eye on the work. Right, you need that. Mais ça veut dire qu'on peut créer une nouvelle génération de critiques alors. Instead of getting really anxious that you have to shape your paradigm as though it were an American paradigm. We are building, non? Yes, we are building. Mais de la même, moi je pense que ça se passe de la même manière en Afrique. Je cherche la vie de Galvanize, ah ils sont là.